بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة أخوات، on reprend ce soir alhamdulillah boulour al-mahram, toujours dans le livre de la prière. On avait la fois passée vu l'obligation, le dernier point qu'on avait vu c'était l'obligation de réciter surat al-fatiha. Et d'ailleurs, je vous enjoins, à toujours faire en sorte de la corriger, de ne pas rester sur un acquis. Tout dépend comment vous l'avez appris. Bien sûr, si vous l'avez appris avec un chir et quelqu'un qui connaît bien l'arabe, mashallah, non, s'il vous a dit « Tayyib, elle est bonne », elle est bonne. Je ne dis pas de... Non, je ne dis pas que votre récitation d'Al-Fatiha n'est pas bonne. Je dis juste que globalement, en général, j'ai bien dit en général, c'est pour ça que je reviens sur ce point-là, parce que c'est assez important, je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé la fois passée. On a vu, bien sûr, l'obligation de la réciter, les différents avis sur le fait de la réciter à voix basse, à voix haute, derrière l'imam, etc. Mais je voudrais vraiment appuyer sur le fait qu'il faut s'efforcer de bien l'apprendre. Énormément de frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire, ne l'ont pas apprise avec un chir. Un chir, c'est pas forcément un chir Faouzan. Hein. Un chir, c'est un enseignant. Avec un arabophone. Quelqu'un qui corrigera même vos petites erreurs. Et en général, elles ne sont pas petites. Il y en a certains ou certaines, quand elles récitent, ces personnes-là, c'est catastrophique. Réellement, ça ne ressemble même plus au Fatiha. Puis parfois, naam, mais ça, c'est pas tout à fait correct. Là, il y a une erreur. Là, il y a une faute de prononciation. Là, on entend trop l'accent encore français, trop l'accent francophone. S'il n'y avait que ça, si c'est qu'une question d'accent, elle peut rester correcte. Elle peut rester validée. Mais s'il y a des fautes, ça change le sens et ce n'est pas correct. Oui, Allah, il est miséricordieux. Bien sûr qu'Allah, il sait que tu fais des efforts et que tu es, par exemple, naam, dans la gêne, tu es converti ou tu n'as pas eu l'occasion. Mais on ne peut pas laisser passer des années, des années, des années, des années et puis rester sur des... naam, rester sur des pseudos acquis, parce qu'en fait, il n'y a rien d'acquis. Rester sur des pseudo-fondations, puis se dire, bah, c'est bon, je connais. Là, tu connais pas. Et tu as eu peut-être, j'ai dit bien peut-être, ça dépend des cas, bien sûr, c'est au cas par cas, X et Y occasion de te corriger. Parfois, c'est le kibre, parfois, c'est la honte. Ah non, je vais pas réciter devant lui ou elle. Non, je ne peux pas. Il faut pas. Hein. Ni orgueil, ni timidité. Hein. Deux n'apprendront jamais. A dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le timide et l'orgueilleux. Si t'as la honte de réciter le Fatiha devant une personne compétente, ou si tu te dis, hey, moi je la connais, ça c'est débutant, c'est bon, hein, je prends des cours de tawhid, hein, j'en suis plus là. Alors là, tu te trompes complètement. Tu te trompes beaucoup. Donc je vous enjoins réellement à faire l'effort de l'apprendre correctement. Et pour cela, pour ceux qui n'en sont pas là, à apprendre l'alphabet arabe. Sans ça, il y aura toujours des efforts. Si tu connais pas l'alphabet, non, quand je dis le connaître, c'est pas l'avoir juste mémorisé, hein. C'est bien le prononcer. Elifun, Baun, T,
تاءٌ ثاءٌ نعم جيمٌ حاءٌ خاءٌ etc. C'est ça le vrai nom des lettres. C'est pas un kha, c'est pas jim, c'est jimun. Tout prof d'arabe vous le dira. Si tu fais pas l'effort de revenir au fondement, d'ailleurs les fondements, comme je l'avais dit dans un post récent, c'est la base de tout. Fondement dans la aqida, fondement dans le fiqh, les débuts, les bases de la prière, fondement dans la langue arabe. Il y en a, et j'en connais, wallahi, je peux pas les encourager. Ils sont déjà dans des histoires de tomes de médine niveau 1, niveau 2. Ils savent même pas dire barakatou. Ils savent pas prononcer le salam. Salam alaikum. Je connais pas de salam alaikum, moi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya'in. Il est pas prononcé. Salam alaikum. Wa rahmatullah. Ou peut-être des fois ils font l'effort. Wa rahmatullah. Mais le ha il est pas assez prononcé. Rahma. On l'entend pas. Ahmed. Pas Ahmed. Ahmed. Pas Ahmed non plus. Eh. Mohamed. Ahmed. Hein? Le ha. Le ha. Il y a une différence hein, entre le ha et le ha. Tout ça, parfois, il y a beaucoup d'erreurs. On avait déjà fait un audio sur le sujet avec le mot khair. Les gens disent, ouais, c'est khair, khair, inshallah. C'est khair, etc. Le ra, il n'est pas prononcé correctement. Le qaf, etc. Donc, des fois, rien que dans le salam. Salam alaikum, wa rahmatullah, wa barakatou. Il n'y a pas de barakatou. Barakatou, mais... Si déjà, l'alphabet, les fondements, la base, les fondations, il n'y a pas. Peut-être parce qu'il y a de l'orgueil ou il y a de la timidité. Comment voulez-vous réciter le Fatiha correctement? Comment voulez-vous? Ça doit au contraire être un plaisir d'aller voir quelqu'un de plus expérimenté, bien plus expérimenté que nous, notamment un prof d'arabe, je parle, et puis lui réciter notre Fatiha. Et de voir, alhamdoulilah, qu'il nous corrige des erreurs. Tant mieux. Comme ça, quand on rentre chez nous, on la récite d'une autre manière. Puis on revient voir cette personne, puis on continue. Jusqu'à quoi? Jusqu'à, Inch'Allah, la corriger. Hein? Donc, je vous enjoins réellement hein, à revenir aux bases et aux fondements pour bien la prononcer. Ne soyez ni timide ni orgueilleux. Et puis revenez voilà, à l'apprentissage. De l'alphabet, prononcer inshallah bien les lettres, et ça c'est un bon début déjà. C'est un bon début après pour bien prononcer, surtout le fait, hein. Surtout. Et de même qu'on ne part pas dans des ouvrages complexes, dans la aqida, il me parle des sectes, des débutants. Mais Harry, mais je comprends pas telle secte, telle chose. Dis Harry, reviens à la aqida sahih, reviens à Kitab al-Tawhid. Non, il veut pas. Il veut déjà apprendre les choses des sexes, des sectes complexes. Les sectes complexes, naam. Il veut être dans les tomes 2 de Médine. Il sait pas prononcer un qaf. Qafoun. Le kef, c'est pareil. Le kef. Il sait pas faire la différence. Le ra, pareil. Ra, pareil. Etc. Sans parler de sord, dod, ta, fa, ce qu'on appelle lettre emphatique. Comment voulez-vous aller dans les tomes 2 de Médine? Ah, et puis il a des notions de conjugaison, masha'Allah. Mais il ne sait pas prononcer un hein, dod. Dodoun, il ne sait pas le dire. Mais masha'Allah, il a des notions de conjugaison et de grammaire que je n'ai pas. Ça sert à quoi? C'est comme connaître les sectes, mais faire des erreurs dans les propos. Faire du shirk dans la parole. Ça ne sert strictement à rien. Je vous l'enjoins, mes frères et sœurs. Revenez à la méthodologie, à la bonne méthodologie, qui est d'apprendre point par point. Échelon par échelon. Non. On ne va pas au niveau 10 quand on n'a pas le niveau 1. Et je le dis même, ça ne sert à rien d'apprendre d'autres sourates. Strictement à rien, si tu n'as même pas le Fatiha. Faites l'effort de chercher quelqu'un pour vous la corriger. On ne dira pas que je n'aurais pas fait le rappel. Faites l'effort. Parmi les erreurs les plus répandues de ce que je sais dans Al-Fatiha,
Naram, de ce que je me rappelle au début. Naram, Alhamdulillahi. Il faut que ce soit prononcé le hi. Alhamdulillahi. Puis, c'est pas Rabbil Alamin. Naram. Ni Rabbil Alamin pour ceux qui savent faire le ra mais qui veulent l'exagérer. Il n'y a pas de Rabbil Alamin. J'ai appris avec un frère. C'est Starfir. Rabbi. Non, il n'y a pas. C'est pas une mitraillette. C'est léger. C'est léger. C'est subtil. Et il y a une shadda sur le bas. Rabbil Alamin. Tout simplement. L'arabe n'est pas forcé. Ce n'est pas parce que tu forces, mon frère, ma soeur, mon cher frère, ma chère soeur, converti ou jeune dans la religion, Naam, mais qui n'est pas vraiment, vraiment arabophone, même s'il y a un Naam, il y a des bases, et tu es maghrébin peut-être, et il y a des bases, mais l'arabie terrestre, ce n'est pas le dialectal. Ça, c'est sûr et ça, c'est clair. Naam, c'est pas en forçant que ton arabe, il va être plus beau. On ne dit pas qu'il faut chuchoter, mais je dis bien les convertis, enfin, en général, je parle aussi pour moi. Les grandes erreurs au début, c'est le qaf, on va le faire trop. C'est qaf, il va faire qaf, comme ça. Un qaf, c'est léger. Je m'appelle Qasim. Je m'appelle pas Qasim. Vous avez compris. De même, c'est Ayn. Salamu alaykoum. C'est pas Ayn. C'est pas salamu alaykoum. Il force trop. Nam. Ayn, il est forcé. Qaf, il est forcé. Et le ra. 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 Ra, tout simplement. Il n'y a pas trois roulements, c'est pas ra, c'est ra. Kha, ra. Kha, ra. Bah comme ce qu'on a dans khayr. Khayr, inshallah. C'est pas khayr, inshallah. Vous avez compris. Ça, c'est important. Attention à ne pas forcer les lettres. Je sais qu'on veut bien faire. Je sais qu'on veut bien faire, mais mon chien m'a justement corrigé aussi à l'époque. C'est pas parce que tu veux bien faire qu'il faut forcer. L'arabe, c'est léger. Sinon, ça s'entend trop, on voit que t'es francophone. Donc, Rabbil Alamin, hein, Shadda sur le bas, et puis si on apprenant aussi bah, l'alphabet, les lettres, et puis le début, le tout début, les histoires de Shadda, de prolongation, etc., quand on va lire vraiment Al-Fatiha en arabe, on va comprendre ce qu'on lit. Ah, effectivement, je vois une Shadda, donc instinctivement, je vais faire Rabbil Alamin, je vais accentuer sur le bas. Mais si on ne sait même pas lire, comment on fait ? On va écouter quelqu'un, on va imiter sa prononciation. Alors parfois on se base sur des récitateurs, c'est sûr. Mais on n'est pas corrigé. Ou alors on va l'apprendre, et c'est la plupart du temps comme ça, avec quelqu'un. Alors, il va nous l'apprendre, mais de la mauvaise manière. Parce que lui-même, il fait 15 ou 18 erreurs. Si c'est pas 30. Alors là, c'est vrai, hein, ça va vite. Hein. Une erreur, deux erreurs, trois erreurs. Et on l'a appris comme ça, et puis après on reste là-dessus. Donc je disais, Rabbil Alamin. Après, il y a ceux qui savent pas prononcer Ra. Ça, c'est une chose. Il y a ceux qui savent le prononcer, comme on disait, mais qui vont trop l'accentuer. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Non, c'est léger. Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est très léger. Le ra, il est tout discret. Et il est suivi du ha. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Naam. Après, il y a prolongation, naam, sur le alif. Mais, pas pendant une heure, mais Maliki Yawmiddin. Hein? Et c'est pas une prolongation sur l'accent i. C'est pas Maliki Yawmiddin, on l'entend beaucoup ça. C'est Maliki Yawmiddin. Le ki, il suit avec Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Non. Autre erreur, l'oubli de la shadda sur le ya. Iyaka na'budu. L'oubli, on entend plutôt Iyaka na'budu. C'est Iyaka na'budu. Là, je fais exprès de l'exagérer. Iyaka na'budu. Et de même, c'est boudou. C'est boudou. C'est pas boudou. On entend trop souvent boudou. Nous ont fait un ba emphatique qui n'existe pas. Et nous ont fait un dod au lieu d'un del. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Boudou. Tout simplement. B-O-U-D-O-U. Boudou. Boudou. Pas boudou. Donc, Iyaka na'r, et pas Iyaka na'r, pas prononcé avec le nez, et c'est pas exagéré, on fait pas le canard. Iyaka na'r, un aïn simple. Iyaka na'r, boudou. Iyaka nasta'in. Autre erreur, c'est pareil, c'est au niveau des i, sur ihdina.
C'est ihdi, ihdi. Et pas un e ou a. J'entends des fois ihdina, ihdina. On ne sait pas trop ce qui est prononcé. Ihdin, ihdin. Important d'accentuer sur les i. Ihdina. Et ensuite, sorotol. Tout ça, c'est emphatique. Soroto, soroto. Je répète, soroto. C'est pas sirata. Soroto. Là, je fais exprès de grossir. Pour bien que vous compreniez, Inch'Allah. Ihdina, sorotol. Et là, c'est tout fin, tout léger. Mousta, pas mousto. Ils font un to, les gens, au lieu d'un te. Mustaqim. Et non pas mustaqim. Et il gonfle tout. Mustaqim. Ça n'existe pas. Ihdina, sorotol, mustaqim. Ok ? Ihdi, on se rappelle toujours le i. Ihdina, sorotol, gonflé, mustaqim, fin. Ok ? Sorotol levi, pareil, c'est gonflé. Sorotol levina an'amta alayhim. Et ensuite. Royeril merdoubi. Et les gens, des fois, ils. Même moi, je le faisais. Trop de prolongation. Même sur le sorot, ils font ça. Il n'y a pas de sorot. C'est deux temps, pas 15. Sorot, alladhina an'amta alayhim. Sorot, deux temps, pas 15. Sorot, alladhina an'amta alayhim. Et de même, royeril merdoubi. C'est merdoubi de temps, pas merdoubi alayhim. On entend ça aussi. Royeril merdoubi alayhim. Non. Royeril merdoubi alayhim. Voilà. Voilà. Bien sûr, je reste francophone. Il reste peut-être de l'accent français, mais c'est comme ça qu'elle se prononce, elle fait attirer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, Naam, bien sûr, si c'est Cheikh Fawzan qui la prononce, hey, ouais, c'est encore autre chose. Sachez que de toute manière, même la manière dont la prononcent les savants, c'est mieux encore que les récitateurs. Certaines fois, les récitateurs, ils font des erreurs. Ou ils embellissent trop de choses, ou ils font des... Naam, le mieux du mieux, Naam, si vous l'écoutez, c'est comment un savant il va la prononcer, puisqu'il sait, lui. Lui, c'est la science pure, Naam. Donc, un enseignant, un prof d'arabe, il n'y a pas mieux pour apprendre Al-Fatiha. Mieux qu'un ami, Naam. Mieux qu'un... Naam. Une sœur, un frère. Et mieux qu'un récitateur encore, c'est un enseignant. Bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité d'apprendre avec un savant. Ben, un imam, quelqu'un de fiable. Ou un prof d'arabe. Fiable, pareil. Voilà. Moi, j'ai pas la prétention de vous apprendre l'arabe. Moi-même, j'apprends. Mais le Fatiha, ça me semblait essentiel de faire un petit rappel dessus, puis de corriger certaines choses. Peut-être que vous allez dire, ah bah, alhamdoulilah, j'ai encore appris quelque chose. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, malgré qu'il me reste probablement de l'accent français. Ça, c'est sûr, et ça met du temps à partir. Avant de vraiment de dire, quand on entend parler, on croira un arabophone. Hein, ça reste, c'est difficile. Mais ça se prononce comme ça, Inch'Allah. Allahu a'lam. Donc voilà, nous facilite à corriger de manière globale notre langue arabe, et surtout pour les choses essentielles comme ça, comme Al-Fatiha. Ne soyez pas avares d'efforts. Donc, c'était le dernier point qu'on avait vu. On va passer au prochain, Inch'Allah, maintenant. Prononcer Al-Basmala. Al-Basmala, c'est le fait de dire Bismillah à voix basse. Al-Basmala à voix basse. Al-Nas radiallahu an rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, débutait la prière par louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslim ajoute, il ne disait au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, ni au début, ni à la fin de récitation. C'est-à-dire, il ne prononçait pas à haute voix, au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dans une autre version, Ibn Khuzaima lui rapportait, il ne disait pas autrement qu'à voix basse, mais ceci est daif. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la négation
rapporté par Muslim. Ne prononcez pas à haute voix Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commencez plutôt par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, ça c'est un hadith rapporté sur le fait de la prononcer à voix basse. Nu'aym el-Mujmir rapporte lui, j'ai accompli la prière derrière Abu Hurayra radiallahu anhu et il prononça Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis il récita Al-Fatiha. Après lequel il a dit Amin. Chaque fois qu'il se prosternait et se relevait, après s'être assis, il disait Allahu Akbar. Puis après avoir salué, il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, je suis celui dont la prière se rapproche le plus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci est encore une fois daif. Abu Hurayra radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous récitez Al-Fatiha, récitez également Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car c'est un de ces versets. Et le hadith, il est quoi? Il est authentique. Il est authentique. Pourtant, celui de An-Nas, il est authentique aussi. Le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, tous débutaient la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y en a un autre qui est aussi authentique, rapporté lui par Abu Hurayra radiallahu an. Et là, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous récitez le Fatiha, récitez également Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Car c'est un de ces versets. Donc, le Shir al-Rajihi, lui, il commente, il dit le hadith de An-Nas radiallahu an, et l'ensemble des formulations indiquent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim doit être dit à voix basse et non à voix haute. La basmala n'est pas un verset de Surat al-Fatiha, qui est composé de 7 versets, sans inclure la basmala. Le 7e verset étant l'exception figurant dans la deuxième partie du dernier verset. Parfois, ils vont le diviser en deux, c'est-à-dire, et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. La fin. De la même manière que l'exception dans Surat al-Asr est un verset à part entière. Ce qui est juste est que la basmala est un verset marquant la séparation entre les différentes surahs. La basmala, à part, bien sûr, il n'est pas pour Surat al-Tawbah, comme vous savez sûrement, mais sinon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset pour séparer toutes les surahs. Mais elle n'est pas un verset de la Surat al-Fatiha. Non. Mais elle est un des versets de toute autre surah. Elle doit donc être prononcée à voix basse dans la prière et pas un seul hadith n'indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait prononcé à voix haute dans la prière. Cela est tout de même rapporté authentiquement de certains compagnons dans le but de l'enseigner aux gens. Concernant maintenant, ça c'est le hadith d'An-Nas, clairement, mais concernant le hadith de Abu Hurayra, ce qui est authentique est que ce sont ses propos et non ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est lui, qui disait plutôt lorsque vous récitez Al-Fatiha, récitez également Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu a'lam, sûrement comme ce qui est dit avant, pour enseigner aux gens. Et donc ceci n'est pas une preuve que la basmala fait partie d'Al-Fatiha, et on ne doit donc pas lui donner priorité sur le hadith de An-Nas, rapporté authentiquement et clairement. Et il parle de Abu Bakr, il parle de Omar, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Cheikh Al-Albani maintenant, ça c'est ce que dit Cheikh Rajihi. C'est sa synthèse, son avis, son bilan. Pour Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le hadith, il est authentique. Et il est à attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et non à Abu Hurayra radiallahu anhu. Oui, ils sont pas en accord là-dessus. Et il est pour lui une preuve claire que Basmala est un verset d'Al-Fatiha. Donc prononcé à voix haute, pour le coup. De la même manière qu'elle est un verset de toutes les surahs, à l'exception, comme je l'ai signalé, de surat at-Tawbah. Il n'y a pas. Il s'appuie également sur le hadith de An-Nas ibn Malik, qui rapporte « Un jour que nous étions en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il baissa légèrement la tête, puis la releva en souriant. » Nous dit Malo, « Qu'est-ce qui te fait sourire, ya Rasulullah ?» Il dit « On vient de me révéler une surah. » Elle récita « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. »
Puis il récita Sourate Al-Kawthar. Il a donc mentionné la basmala dans la sourate. Quoi qu'il en soit, Cheikh Al-Albani explique tout de même que la basmala doit être prononcée à voix basse, comme cela apparaît dans d'autres hadiths authentiques, notamment celui de An-Nas. Parce que si An-Nas y rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, débuter la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça ne veut pas dire qu'il ne considérait pas la basmala comme un verset, mais simplement qu'on ne l'entendait pas puisque c'était récité à voix basse. Ça peut aller dans le même sens. Ce n'est pas contradictoire. Tu pries derrière moi tout le temps, tu m'entendras dire par exemple que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu n'entends pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas prononcé, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas inclus. Quoi qu'il en soit, donc c'est prononcé à voix basse. Que ce soit aussi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ou Subhanaka wa bihamdika Allahumma aghfirli. Comme on avait vu les invocations d'ouverture, tout ça c'est à voix basse. On fait Allahu Akbar, puis ensuite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, on commence à voix haute par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quant à la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est selon ce que je synthétise dans les avis, selon ce qu'il y a pour moi de plus authentique, un verset, mais on le prononce à voix basse avant d'entamer la récitation de toute sourate d'ailleurs. Voilà, Allahu a'lam. Dire Amin dans la prière. Dire Amin dans la prière. Il rapporte également, c'est-à-dire Nas, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam achevait la récitation d'Al-Fatiha, il élevait la voix pour dire Amin. Les enseignements du hadith, on le voit déjà clairement qu'il l'a prononcé à voix haute. Al-Qurtubi, il a dit pour la plupart des ulama, Amin, ça signifie « Oh Allah, répond à notre invocation. Oh Allah, exauce-nous. » Et on le prononce avec les invocations. Il existe deux manières de le prononcer. Soit Amin en prolongeant les deux vocalisations, soit Amin en ne prolongeant que la dernière. On peut dire Amin ou soit Amin. Non. Les deux sont juste en arabe. L'auteur n'a mentionné que ce qui concernait l'imam, sans considérer les fidèles derrière lui dans la prière. Alors que Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Amin, dites-vous aussi Amin, car celui dont le Amin correspond à celui des anges, on lui pardonne ses péchés passés. Donc, on apprend que les fidèles, en prière derrière l'imam, disent, et ça vous le savez, en tout cas pour les frères, et puis aussi pour les sœurs, Jumu'ah ou Eid, on a toujours entendu tous les fidèles, ensemble et en cœur, dire Amin, juste après l'imam. Et Inch'Allah, qu'Allah fasse donc que ça rentre dans le hadith, et qu'on l'a dit en même temps que les anges. Inch'Allah. Les savants sont unanimes pour dire que Amin doit être prononcé par l'imam, mais aussi les fidèles derrière lui. Mais aussi par celui qui prie seul. Tu pries seul chez toi, mon frère, ma sœur, tu dis aussi Amin à la fin. La majorité des ulama est d'avis que cela est recommandé et non obligatoire, cependant. Les Shafi'ites et Hanbalites ont été d'avis qu'il fallait le prononcer à voix basse pour les prières à voix basse et à voix haute pour les prières à voix haute. Et il est recommandé que le Amin des fidèles correspond au Amin de l'imam. Conformément au hadith, hein, lorsque l'imam dit Walladdallin, dites Amin. C'est-à-dire dès lors qu'il termine la récitation d'Al-Fatiha, Walladdallin, directement tu dis Amin, aussitôt. Généralement ça on le voit pas. On entend l'imam le dire, et fraction de seconde après, une seconde, deux secondes, tout le monde le dit. Le mieux est de le suivre directement. De toute façon, dans la globalité de la prière, le mieux est de suivre Naam, de manière très près l'imam. Comme on avait expliqué avec le taslim, le salut. Tout le monde attend que l'imam ait fini le salut pour commencer à saluer d'un côté. C'est dès lors qu'il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'empresse de le suivre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wallahi, dans une mosquée, peut-être tu vas être tout seul à le faire. Et c'est toi, Inch'Allah, le plus proche de la sunnah.
car tu es le plus proche de l'imam. Et on ne regarde pas, comme on l'a déjà expliqué, le grand nombre d'ignorants ou le grand nombre d'égarés. On regarde la sunna. Si demain tout le monde se taille les veines, tu vas pas le faire. Donc toi, à partir du moment où tu sais que tu agis avec science, peu t'importe que les gens te regardent bizarre ou que tu sois seul à pratiquer telle ou telle ou telle ou telle chose. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Non. Ce qu'il faut, c'est agir avec science, Inch'Allah. Et tu sais pourquoi tu fais cela. Sa parole, lorsque l'imam dit Amin, dites-vous aussi Amin, signifie que dès que l'imam commence à dire Amin, les fidèles le suivent, sans attendre qu'il ait terminé, afin de le prononcer avec lui, au plus près en tout cas. La majorité des ulama est d'avis que cela est recommandé, non obligatoire, encore une fois, en raison de sa parole, celui dont le Amin correspond à celui des anges, on lui pardonne ses péchés passés. Wallahu a'lam. J'ajoute également sur le Amin, pour les doa, que pour ses propres doa, on ne dit pas Amin. On va plutôt le dire quand quelqu'un fait une doa. Moi je dis qu'Allah nous préserve. Vous devez tous dire ici Amin. Mais c'est pas je fais les doa et je dis moi, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous facilite et qu'Allah ceci et qu'Allah cela, et je dis Amin. À ses propres doa, on ne dit pas Amin. C'est plutôt lorsque quelqu'un fait doa qu'on va dire Amin. Inch'Allah. Après, j'avais cité aussi quelques erreurs dans la manière de formuler aussi des doigts. Enfin, c'est souvent comment les gens l'écrivent ou même les prononcent. Ça part d'une bonne intention, c'est pas fait exprès, mais ce sont des gens qui n'ont pas de science et qui ne savent même pas en vérité ce qu'ils disent. Sinon, ils n'auraient pas dit ça. Ils vont dire Allahumma, c'est Oh Allah, Allahumma. Enfin, ils vont pas dire Allahumma, ils vont dire Oh Allah. Après, ils vont rajouter Ya Rabbi, hein. Après, ils vont dire même Inch'Allah. Et après, ils vont dire Amin. Et après Amin, ils vont même dire Amin Ya Rabbi. Et ça ne veut strictement rien dire. Oh Allah, Allah exauce. Et puis à la fin, Amin, Allah exauce moi. C'est une répétition inutile et ça ne veut strictement rien dire en arabe. Là, en français, on l'a vu, hein, c'est stupide. Ma phrase, elle ne veut rien dire. On voit des fois des Oh Allah Ya Rabbi, Amin Ya Rabbi. Hein? Allah aide ya Rabbi, Amin ya Rabbi. Ça veut rien dire. Oh Allah, point. Allahumma, c'est tout. Ya Rabbi, c'est tout. Vous comprenez? J'avais déjà fait Inch'Allah un rappel, c'était pendant Ramadan, je crois, à ce sujet. Voilà sur le Amin, Inch'Allah. Nous espérons que ce soit bien clair. Prochain point. Celui qui ne connaît rien du Coran. Qui ne connaît rien du Coran. Rien, on a dit. Al-Fatiha, c'est du Coran. S'il connaît Al-Fatiha, il connaît du Coran. Peut-être rien d'autre, mais Al-Fatiha, alhamdulillah. On parle de celui qui ne connaît absolument rien, même pas Al-Fatiha. Abdallah ibn Abi Awfa, radiallahu anhu, rapporte un homme, vient trouver le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je n'arrive pas à mémoriser le Coran, aucun verset. Alors enseigne-moi ce qui pourrait le remplacer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. À la place, dis gloire et pureté à Allah, subhanallah. Dis louange à Allah, alhamdulillah. Dis il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah. Dis Allah est le plus grand, Allahu akbar. Dis il n'y a de force et de puissance que par Allah l'élevé l'immense, la hawla wa la quwwata illa billah. Là, le hadith il est authentique. Enseignement de cela, il a été mentionné. La récitation donc de Surat al-Fatiha, c'est un pilier. On l'a vu, c'est un pilier sans lequel la prière n'est pas valide. Clairement. Mais la règle religieuse énonce que face à l'incapacité, non pas le refus, non pas la fainéantise, non, l'incapacité réelle, les obligations disparaissent au profit d'un substitut ou non. C'est-à-dire que tu ne feras pas la chose, hein, tu ne feras pas la chose, ou bien alors tu vas la faire d'une autre manière. Comme quand tu es malade, tu vas regrouper les prières. Pourtant, les prières, elles sont obligatoirement, elles doivent être faites de telle et telle manière. Et debout, mais je ne peux pas être debout, je suis malade. Et elles doivent être faites chacune à son créneau. Non, mais quand tu es en voyage ou quand tu es malade, ça change. Donc la règle religieuse énonce que face à l'incapacité, les obligations disparaissent au profit d'un substitut ou non. Cela est tiré de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah autant que vous le pouvez. Et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la autant que vous le pouvez.
accomplissez-la autant que vous le pouvez. C'est-à-dire au maximum des capacités. Au maximum des capacités. Ce n'est pas de l'envie. Ce n'est pas « Ah, je n'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai mieux à faire. » Ou « Je choisis. » Les gens n'ont pas compris cela. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Il n'y a pas de difficulté en religion. Ou bien le hadith, lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la autant que vous le pouvez. Ils n'ont pas compris cela comme ça. Ils ont dit, c'est, je ne peux pas, je n'ai pas envie, Allah il est, Allah est Rafur Rahim, et le dîn c'est la facilité, etc. Et j'ai la bonne intention. Non, ça c'était pas correct. C'est vraiment cette notion de pouvoir et de vouloir qu'il faut différencier. Il y a une différence entre je peux ou je ne peux pas, et je veux et je ne veux pas. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis vraiment malade, j'ai très mal aux jambes, par exemple, quand Allah nous préserve, je ne peux pas prier debout. C'est pas, oh, j'ai un petit peu hein, de fainéantise, de paresse aujourd'hui, je vais prier assis. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas permis, c'est pas accepté. Et ça, c'est important de le clarifier également. Hein? Lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la autant que vous le pouvez. Je fais le maximum. Au maximum de mes capacités, je vais le faire. Et sinon, Inch'Allah, il y aura une autre solution. Comme là, l'homme il lui a dit, fais le dhikr, na'am, prononce telle et telle et telle chose. Dis subhanallah, dis alhamdulillah, dis la ilaha illallah, dis Allahu Akbar, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Dis ces choses-là. Pourtant le fatiha c'est obligatoire, mais l'homme, na'am, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, il a dit je n'arrive pas à mémoriser les versets, j'y arrive pas. Certainement na'am, Allahu a'lam, un homme fraîchement converti, Allahu a'lam. Le hadith, il indique également que celui qui donc ne sait pas réciter Al-Fatiha, pas même en partie, prononce les formules de rappel indiquées dans le hadith. Et cela lui sera suffisant pour le moment. Comme une facilité, une simplification accordée au serviteur. Alhamdulillah. Celui qui ne peut pas apprendre Surat Al-Fatiha, ou n'en a pas le temps, donc cette obligation disparaît. Et il doit réciter autre chose du Coran, comme un verset d'Al-Fatiha, ou d'une autre surah qu'il connaît. Et il répète ce verset. S'il ne connaît rien du Coran, il prononce alors les formules de rappel mentionnées dans le hadith. Mais s'il connaît un seul verset d'Al-Fatiha, il le récite et le répète. Ou bien un autre verset. Il récite ce qu'il peut du Coran en vérité. Mais on l'a vu, on le sait. Toute personne, lorsqu'elle se penche dans les tout débuts de l'apprentissage du Coran, elle va commencer par Al-Fatiha. Personne n'a appris, je pense, Allahu A'lam, Al-Ikhlas, Nas ou autre, avant Al-Fatiha. C'est pas possible. En général. Ah, et pourquoi Al-Fatiha ne rentrerait pas et pourquoi un autre? Un autre verset et une autre surah. Non, ça n'a pas de sens. Mais dans le cas où il y aurait vraiment que cela, elle n'a réussi à mémoriser que Al-Ikhlas, Al-Fatiha n'y arrive vraiment pas, alors elle récitera, par exemple, Al-Ikhlas, tout verset du Coran avant les formules de rappel, le dhikr mentionné dans le hadith. Ça, c'est en dernier recours. Non. Si on ne peut prononcer ces formules de rappel que dans sa langue. Encore une excuse. Non. Que dans sa langue. Pas en arabe. C'est-à-dire que même la personne, elle n'arrive pas à apprendre du Coran, même pas un verset, même pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle n'y arrive pas. Et même Subhanallah, elle ne sait pas le dire. Alhamdulillah, elle ne sait pas le dire non plus. Alors, elle peut le faire dans sa langue. En russe, en japonais, en anglais, en français. Non. Cela est permis. Car l'avis prépondérant concernant les formules de rappel, et que si on est incapable de les prononcer en arabe, on les prononce dans sa langue. Même les do'as, par exemple les do'as du matin, du soir, au coucher, les do'as en sujoud, par exemple. Non. Le mieux, c'est d'apprendre en arabe. Toutes les do'as, même une do'a spontanée à 15h30 dans la rue. C'est mieux de dire Allahumma, Allahumma shfini, par exemple. Oh Allah, guéris-moi. Allahumma shfini. Que c'est mieux que de dire Oh Allah, guéris-moi. C'est plus beau. C'est plus beau, c'est de l'arabe, c'est la langue du Coran al-Karim. Non, c'est mieux. C'est l'arabe qu'Allah a choisi pour révéler le Coran, donc c'est mieux. Mais c'est pas interdit de dire Oh Allah, guéris-moi. Ce n'est pas interdit ici. D'accord? Donc, je dis que ce soit sujoud, que ce soit spontané comme ça, que ce soit les afkar du matin, du soir, du sommeil, le mieux c'est l'arabe, mais sinon, on le fera dans sa langue. Et bien là, c'est pareil. Le mieux c'est d'inciter le Coran. Sinon, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, si même ça, il n'y a pas, et la personne, elle sait parler dans sa langue, logiquement. Eh bien, elle fera comme ça. Na'am. Voilà, na'am. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas prier. Ah, je ne sais pas prier. Je ne sais pas, je n'ai pas appris. Eh bien,
tu sais maintenant, ou du moins le débutant, tu pourras lui enseigner, Inch'Allah, je pense qu'ici tout le monde prie, j'espère, en tout cas, tu pourras lui enseigner qu'il n'a pas d'excuse. Il y a toujours un moyen, alhamdoulilah, pour qu'il puisse effectuer sa prière, dans un premier temps, en tout cas, le temps qu'il apprenne. Alhamdoulilah. On voit le mérite de cette formule de rappel prononcée en lieu et place d'El Fatiha, qui est pourtant la plus éminente sourate du Coran. Donc il y a un mérite à dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Wallahu hawla wa la quwwata illa billah. D'ailleurs, cette série, dans cet ordre-là aussi, est rapportée dans les adhkars du sommet. Naam, si ma mémoire est bonne. Et sixièmement, enfin, on voit la facilité et la tolérance de la législation islamique. Ainsi, le musulman n'est pas chargé plus qu'il ne le peut. Et s'il est incapable de parvenir à une porte du bien, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui en ouvre une autre, afin de compléter sa rétribution et qu'il parvienne ainsi au rang qu'Allah lui a prédestiné. Mais il y a toujours une solution pour œuvrer. Il y a toujours une solution pour œuvrer dans le din al-islam. On ne peut pas dire « je ne fais pas ». Tu ne feras peut-être pas comme tout le monde, mais tu feras, Inch'Allah. Tu feras. Il y a toujours des solutions. Que ce soit une âme liée à la maladie, liée au voyage, par rapport donc à la prière, le ramadan, il y a des règles spécifiques. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, naam, toujours des solutions. Je ne sais pas prononcer tel surah, il y aura une solution, etc. etc. On va voir, Inch'Allah, un dernier point, je pense. Naam, il est long. Et il se prend long. Non. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Le prochain point, il est long. Au pire, on pourra le couper en deux. On pourra le faire d'une partie et une autre la prochaine fois. S'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, peut-être quand... Une seule question, là. On pourra peut-être le faire entièrement s'il y a le temps. On va, Inch'Allah, en faire une partie déjà. Ça concerne la récitation dans la prière. Ça concerne la récitation dans la prière. Abu Qatada, radiallahu anhu, rapporte, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dirigeait la prière, et il récitait, lors des deux premières unités de prière de Surat al-Dhuhr et al-Asr, il récitait Surat al-Fatiha, ainsi que deux autres surats. Et parfois, il nous faisait entendre les versets. Il prolongeait la première unité de prière, et pour les deux dernières, il récitait seulement Surat al-Fatiha. Ça, c'est sahih et c'est ce qui est connu et authentique. Enseignement de cela, on y voit donc l'obligation de réciter Surat al-Fatiha dans toutes les unités de prière. Toutes les unités, ça c'est obligatoire. Deuxièmement, on y voit la recommandation de réciter un peu plus du Coran. Encore une fois, pour ceux qui le savent, qui ont la connaissance. Mais c'est recommandé de réciter un peu plus Al-Fatiha, pour les deux premières unités de prière. Je l'ajoute aussi, je ne sais pas si ça va être mentionné, c'est aussi permis pour les deux dernières unités, comme dit Cheikh Ibn Abaymin, de le faire, mais de temps en temps. Mais de temps en temps. Les deux dernières unités de prière, ce qui est connu, rapporté, fréquent, c'est qu'on ne récite qu'Al-Fatiha. Mais il est permis parfois de rajouter une petite surah, de temps à autre. Ce n'est pas interdit. Je répète donc la recommandation de réciter un peu plus du Coran pour les deux premières unités de prière, soit Salat al-Dhuhr, Al-Asr, Maghrib al-Aisha, hein, et Fajr. Et il y a unanimité des ulama sur ce point. C'est méritoire. Ainsi, on a dit qu'il était détestable de se contenter de réciter uniquement Al-Fatiha, qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou surrogatoire, une nafila, car cela est contraire à la sunna. La personne... C'est une prière obligatoire, qui a pris seul Joseph. Ou surrogatoire, le rawatib ou autre, qui se contenterait d'Al-Fatiha, du moins dans les deux premières rakats, que ce soit Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Maghrib ou Al-Aisha, on ne peut pas lui dire qu'elle a un péché. Mais elle ne suit pas complètement la sunna. Le mieux, c'est de rajouter même une petite surah. Mais on ne peut pas dire qu'elle a un péché, c'est juste détestable. Non. Troisièmement, on y voit la recommandation de prolonger la première unité de prière par rapport à la deuxième. La première unité de prière sera, Inch'Allah, plus longue que la deuxième.
Moi, pour les prières, non, dhuhr ou l'asr. Et c'est là l'avis de l'ensemble des savants du hadith. Donc, chez les muhadithines, ils sont d'avis que c'est comme ça. On y voit aussi que réciter à voix basse pour les prières, le dhuhr et l'asr, est meilleur, est sunnah. Et on a dit meilleur, méritoire, recommandé. Pas encore une fois, naam, on ne peut pas dire que la personne aura un péché obligatoire. Toujours les termes sont importants. C'est obligatoire, c'est wajib, c'est une obligation, c'est haram si je le fais. Je me souviens d'une question qui avait été posée. Le frère disait, j'ai récité à voix haute, l'asr, est-ce que je dois la recommencer? Il lui a répondu, non, c'est une sunna, tu as laissé passer une sunna. Normalement, on la récite à voix basse, sarta l'asr. Il l'a fait à voix haute. Il n'a pas de péché, mais il n'a pas suivi la sunna. Il est mieux donc de respecter certaines choses pour atteindre la sunna, inshallah. Le fajr à voix haute, le dhuhr à voix basse, l'asr à voix basse, maghrib à voix haute, du moins les deux premières unités, bien sûr. Et l'aïcha aussi à voix haute. C'est meilleur. C'est meilleur. Il est dit ensuite qu'il n'y a aucun mal à prononcer à haute voix certains versets lors des récitations qui doivent être faites, normalement, à voix basse. Surtout si cela est accompli dans le but d'enseigner et de rappeler aux gens. Surtout si cela est accompli, je dis, dans le but d'enseigner et de rappeler aux gens. Mais pas un mal. Une fois, on apprend. Si vous serez à la mosquée, tu dis c'est Salat ad-Dhuhr ou c'est l'Asr, puis d'un coup, tu entends l'imam qui récite à voix haute. Tu dis, non, c'est un bida, il a fait une bida. Et non. Et non, c'est permis. D'où l'importance d'apprendre. Toujours avant de s'affoler, avant de parler, tu pourrais t'amener à rentrer dans une mosquée de la sunna. Peut-être l'imam va faire cela. Tu vas dire, c'est qui celui-là? Pourquoi il fait cela? Je n'ai jamais entendu ça. Alors qu'en fait, il a agi avec science. Donc, d'où l'importance toujours de bien apprendre sa religion. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à le faire. Sixièmement, la recommandation de se contenter de la récitation d'Al-Fatiha pour les deux dernières unités de prière, le Dhuhr, l'Asr ou l'Aïcha, et la troisième unité de prière du Maghrib, la dernière. C'est une recommandation, encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit que Cheikh Al-Uthaymeen disait qu'il n'y a pas de mal, c'est pas un péché de réciter de temps à autre d'autres versets après Al-Fatiha. Mais le mieux, c'est de ne pas le faire tout le temps, car la sunna, c'est de se contenter d'Al-Fatiha pour la fin de la prière. Ce qui est mentionné donc dans le hadith, c'est l'habitude et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son habitude et sa sunna. Donc le mieux, c'est de s'en tenir à cela. Les compagnons, parmi lesquels Abu Qatada, ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait la première unité de prière afin de permettre aux gens d'arriver et ainsi de ne pas la manquer. Wallahu a'lam. Mais c'est ce qu'ils pensaient. Certains compagnons, ils se disaient, si, pourquoi, quelle sagesse, si il prolonge la première unité de prière, dans le Dhuhr ou l'Asr en tout cas, pourquoi faire? Peut-être pour les gens retardataires, afin qu'ils puissent arriver et attraper cette première unité de prière. Et on sait que celui qui arrive à agripper, attraper la première unité de prière avant que l'imam ne s'incline, et les fidèles par la même occasion, n'aura rien manqué de la prière, Inch'Allah, walhamdulillah, il n'aura rien manqué. Il n'aura pas à la refaire. Par contre, s'il arrive à la deuxième, ikhlas. Donc, wallahu a'lam, c'est peut-être pour ça que il, sallallahu alayhi wa sallam, prolongeait la première unité de prière. Wallahu a'lam. Neuvièmement, sur le hadith, on voit qu'après la récitation de l'Fatiha, il n'est pas obligatoire. Hein? La récitation après l'Fatiha n'est pas obligatoire. Et si on se contente de cela, la prière reste valide à l'unanimité des savants, mais il est réprouvable de s'en suffire, car cela est contraire à la sunna. Mais réprouvable n'est pas muharram, n'est pas haram. Voilà. C'est permis, la prière est valide si tu récites toujours que Al-Fatiha. D'autant plus si tu ne connais que ça, c'est encore autre chose. Mais si tu connais autre chose, que ce soit Nafila ou une prière Fard, naam, tu laisses passer la Sunna, mais ta prière reste valide. Par exemple, peut-être que tu l'as fait pour une bonne raison aussi. Tu étais au travail, tu étais serré, tu étais très très serré. Et naam, tu n'avais que 5 minutes et parfois c'est difficile, comme à nous facile. Tu as fait comme tu as pu. Non, là, en tout cas, tu auras plus une excuse. Mais si c'est pas fainéantif, le mieux est de se conformer à la sunna en tout temps. Et dixièmement et enfin, et on va s'arrêter, Inch'Allah, ici, parce que le sujet sur la récitation de la prière est vaste, je vous dis. Il y a vraiment beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a au moins 3 ou 4 pages. Mais à chaque fois, Naam, c'est un hadith différent, avec donc des enseignements à tirer de cela. Et là, on voit le dixième et dernier point sur ce hadith, rapporté par Abu Qatada.
On rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en sorte que les deux dernières unités de prière soient moitié moins longues que les deux premières. Shir al-Albani dit à ce sujet, c'est une preuve que le fait d'ajouter à la récitation d'Al-Fatiha dans les deux dernières unités de prière est également une sunna. C'est également une sunna, de temps à autre, hein, d'ajouter du Coran après le Fatiha dans les deux dernières unités de prière. C'est l'avis d'ailleurs d'un groupe de compagnons, parmi lesquels Abu Bakr, radiallahu anhu, et c'est l'avis aussi de l'imam al-Shafi'i, rahimallah. Le Shir al-Bani, il dit, je dis que la récitation en plus d'Al-Fatiha peut se faire à certains moments seulement, hein, de temps à autre. De temps en temps, tu vas faire par exemple l'arrache chez toi, et tu vas le faire de temps à autre. Un jour tu vas le faire, un jour tu vas pas le faire, ou dans la journée tu vas le faire une ou deux fois. De temps à autre, tu peux rajouter quelques versets après. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et on reprendra du coup au hadith 228, pour les gens qui suivent avec le livre, page 293, dans le point de la récitation dans la prière, au hadith 228. Un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Il fera ça, Inch'Allah, donc, mercredi. Non. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, je vais prendre vos questions maintenant. Salam alaikum wa rahmatullah. Justement, pour la bonne récitation du Coran, je suis inscrit à des cours de Coran où le professeur nous donne un nombre de versets à apprendre chaque semaine. Et chaque dimanche, on doit se présenter à la mosquée pour réciter ce qu'on a appris la semaine. Le professeur corrige nos erreurs et nous donne quelques règles de tajwid. Mais le problème, c'est que mon professeur est un homme et je suis une fille. Est-ce que je dois continuer à y aller, sachant que je suis en la compagnie d'un mahram, mon petit frère? Mahram, déjà ton petit frère qui a quel âge et toi tu as quel âge? Précision. Parce qu'il faut qu'il soit pubère déjà ton petit frère. Mais il n'est pas assis à côté de moi lorsque je récite devant le professeur. Barakallahu fik. N'y va pas, Inch'Allah. Je ne récite pas, Naam, ce n'est pas connu, du moins certains compagnons salaf auraient pu le faire, mais à travers un rideau, Naam, mais c'est une autre époque aussi. C'est d'autres gens, la piété n'est pas la même. Aujourd'hui, voilà un homme avec les hommes, les femmes mélangées comme ça dans la mixité. Et ton petit frère, déjà, il a quel âge? Est-ce qu'on peut le considérer comme mahram? Est-ce qu'il est pubère, premièrement? Et puis, il n'est même pas avec toi. Oui, mon petit frère est pubère, il a 12 ans et j'en ai 16. Non, mais je te déconseille cela, fortement. Moi, en tout cas, je ne mettrai jamais ma femme dans un cours fait par un homme, ni ma fille, ni... Non, ni je conseillerais à une sœur, en Allah. Non. Inch'Allah, prends des cours, cherche des cours avec un professeur femme. C'est trop de fitna, ça c'est pas vu, non, dans la pratique des pieux d'agir de cette manière-là. Comme ça, tout le monde mélangé, en plus, tout le monde récite, etc. Non, ça, c'est pas une bonne chose. Même s'il y a le rire, si tu veux, de l'apprentissage du Coran, mais pas de cette manière-là. Comme le rire d'apprendre la langue arabe, ou le din, ou ce que tu veux, il peut y avoir un bien, mais on l'apprend pas chez les innovateurs. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit un professeur salafi, dis-moi si je me trompe, parce qu'un professeur salafi homme donnerait pas de cours à des femmes. Donc de toute manière, c'est interdit d'apprendre le Coran et l'arabe même. Même Alifoun, Ba'oun, Ta'oun, Fa'oun, c'est interdit de l'apprendre chez un innovateur. Mieux que tu restes ignarde, je ne sais pas si ça se dit, ça se conjugue, ou ignare sur la langue arabe. Mieux. Car il est mieux de rester francophone avec la bonne aqida que de partir chez un innovateur pour apprendre l'arabe. Oui, il va t'apprendre Alifoun, Ba'oun, Mashallah. Et après, il va peut-être te glisser les ambiguïtés dans la croyance. Ça aussi, ça a toujours été rapporté. C'est bien d'apprendre l'arabe. L'arabe, c'est bien d'apprendre le Coran, Tajwid, c'est bien. C'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais déjà, on n'apprend pas chez les gens ignorés. Pour différentes raisons. Et en plus, là, tu vois, il y a la mixité, il y a un mal. Avec eux, il y a toujours du mal, pour t'entendre. Si ce n'est pas des ambiguïtés qu'ils vont te mettre, ils vont te mettre dans des gènes de cette manière-là. Moi, je te déconseille fortement cela. En tout cas, tu aurais été ma fille, ma sœur, ma femme. Jamais, tu ne t'aurais inscrit là-bas. Wallahu a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si après le Fatiha, on veut réciter Ayat al-Kursi, est-ce que avant on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Inch'Allah, khair. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Naam. Wallahu a'lam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on se trompe en récitant deux fois le même verset dans Al-Fatiha,
Doit-on recommencer la prière ou on peut continuer bi-idhnillah? Si tu te trompes et que tu récites deux fois le même verset. Par exemple, tu vas être à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in et ensuite tu redis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Bam, tu continues. Merde. Tu continues. Tu ne recommences pas ta prière. Et j'ai une autre question. Est-ce que la prière du witr peut être rattrapée si on a l'habitude de la faire avant Salat al-Fajr, mais qu'on ne s'est pas réveillé? Non. Le witr, il vient tout clôturer. Il vient clôturer les prières de la journée. Il n'a pas été fait. Trop tard, le temps est passé. On fait plus un witr, un pair. Donc une unité, ou trois unités, ou cinq unités après le Fajr. Ça n'a aucun sens. On ne fait pas un witr pour clôturer. Il doit être fait avant le Fajr. Si tu t'es pas réveillé, prends un autre rythme, fais-le avant de dormir. Si c'est une seule fois que tu n'as pas pu et qu'en général tu te réveilles un peu avant le Fajr, non, c'était juste une journée comme ça. Mais si tu sais vraiment que tu as du mal à te lever avant le Fajr et que tu ne fais jamais le witr, ne délaisse pas cette belle sunna. C'est vraiment une sunna à s'accrocher, ça, le witr. Vraiment, vraiment. Ça, les deux raka aussi avant le Fajr. Et si tu sais que tu vas souvent le louper, fais-le avant de dormir. Sois plus prudent. Voilà, c'est tout simple. Mais sinon, non, on le rattrape pas. Wow, allez. Naam, dernière question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on est au sujoud, est-il permis de réciter une invocation? Pourquoi ce ne serait pas permis d'invoquer un sujoud? C'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que c'est permis, c'est que c'est conseillé même. Subhanahu rabbi al-a'la, au moins une fois c'est obligatoire, plus c'est sunnah, et bien sûr, même si tu restes une demi-heure en sujoud à faire des invocations, mashallah, ne te prive pas de ça. Bien sûr qu'il est permis en sujoud de réciter sa vocation. Bien sûr. Naam. Hey, naam. Masha'Allah. Fais-le même. Je t'ai enjoint. Et une main s'était levée. Monsieur, je crois que tu avais relevé la main, non? Tu l'as rebaissé? Non? Plus de questions, Inch'Allah? Oui. Donc voilà. La fin du cours pour ce soir, Inch'Allah. Demain soir, sur les hadiths concis. Même heure, même endroit. Et naam. Voilà. والله أعلم وأحكم سبحان ربك هم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.